La première pièce de vie, c'est la cuisine, salle à manger. D'accord. Avec une vue sur le jardin qui est assez chouette. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais. D'accord, aucun souci. Et tout a été refait à neuf, quoi. Donc, bah, y a four. Là, il y a le frigo qui est double frigo. D'accord. Voilà, on a deux des deux côtés. Ici, de nouveau, le thermostat, du coup, pour régler la température, etc. Et puis, ici, vous avez un petit fauteuil de lecture. D'accord. Alors là, on va monter au premier étage. Donc là, vous avez un plan plus large de l'espace. Alors, il y a les protections pour enfants, pour les escaliers. D'accord. Si on arrive au premier étage avec une première pièce d'eau, salle de bain, D'accord. avec une douche, un bain, radiateur et rangement. Et puis là, on a l'évier. Voilà. Alors ici, on a une première toilette. D'accord. Très fonctionnelle. Et puis, on a la première chambre. Avec... Dans toutes les chambres, il y a les placards qui sont intégrés. D'accord, Ils ont été faits par un menuisier. Voilà, un grand dressing. d'accord. Et de nouveau la vue sur le jardin qui est quand même assez agréable. Alors on monte au premier étage, enfin deuxième du coup. Nouveau une protection enfant au cas où pour les escaliers. Et puis on a une première chambre ici. Voilà, de nouveau avec les armoires intégrées. D'accord. Petite fenêtre avec vue sur le côté rue, du coup. Et un petit lit. Pareil, la deuxième chambre en face. Deuxième petite chambre. Avec de nouveau les placards intégrés. Petit placard ici en plus. Et vue sur le quartier, le jardin. D'accord. Et de nouveau une pièce d'eau. Avec une toilette. Un lavabo et petit meuble. Et puis une douche. Voilà. Et alors, on monte au troisième. Ça, c'est le grenier qui peut être un petit bureau. Pour l'instant, on a mis un bureau. D'accord. Et voilà, avec deux grands Velux pour la lumière. Hop. Donc, ça, c'était la partie maison. Encore en bas, parce qu'il y a un salon. Le salon et pièces de jeu ou pièces de vie. D'accord, oui. Au moins un. Donc en bas, on a le salon et puis pièce de vie. Donc de nouveau les placards intégrés. Et là-bas, le salon. D'accord. Alors ici, compteur électrique dans une des armoires. Et dans celle-ci, ça c'est du rangement. Et dans celle-ci, on a les machines. D'accord, ok. Et... Avec sèche-linge également. Tout à D'accord. fait. Avec plein d'espaces de petits rangements, je vois qu'il y a quand même des petites serviettes. Et alors le salon. Voilà qui est à hauteur finalement du jardin. D'accord, ouais. L'espace télé. Et donc là, le jardin. Juste sur le mur. Hop.
Bon, voilà. Alors ici, on a une petite toilette, une petite cave. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la petite cave. On a pu ranger avec le chauffe-eau, le compteur d'eau, etc. Et là, il y a quand même des produits aussi pour le ménage et autres. Voilà pour l'espace de vie. D'accord. Et maintenant, on va aller dans la... Donc on est à nouveau dans l'entrée et face à l'entrée, il y a une deuxième pièce donc qui peut être complètement indépendante. D'accord. Et donc là, on arrive dans l'annexe avec une petite cuisine assez fonctionnelle et aussi un accès au jardin. D'accord. Donc là, on monte. Au premier étage de l'annexe. Avec une première chambre. Vue sur jardin aussi, assez lumineuse. Qui, elle, dispose d'une toilette. D'accord. Un espace de rangement. Et puis une deuxième pièce ici, tu peux soit te faire office de chambre de nouveau, soit un espace de vie. D'accord, oui. Plus un petit salon. Ici, il y a eu son... D'accord, super. Et ici, il y a la salle de bain de l'annexe, qui est aussi complètement neuve. Voilà, très fonctionnel avec... Voilà, avec la D'accord. douche. Et voilà. D'accord, super, merci beaucoup.